Salut tout le monde, c'est Kizé, bienvenue pour l'épisode 7 de Kingdom Hearts 3. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc la dernière fois, on était allé dans le manoir tout au fond de la forêt, la cité du crépuscule, pour tenter de trouver des pistes pour chercher Roxas, hein, tout simplement. Suite à quoi, bah forcément on s'est tapé contre... Enfin on s'est tapé, on s'est... mis en contact avec Pence, qui lui s'y connaît un peu plus en informatique. Et ils se sont mis en relation avec Zexion pour justement se mettre en réseau et tenter de pouvoir réactiver ce transporteur. Voir si on peut ramener Roxas de l'autre cité du Crépuscule. Suite à quoi Ansem et Xemnas sont arrivés justement en disant à Sora que le seul moyen de ramener Roxas c'était que Sora abandonne son cœur aux ténèbres. Et voilà, donc tout simplement on va maintenant quitter la cité du Crépuscule. À partir pour un autre monde, du coup. Lequel? Je ne sais pas. On verra bien. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme monde I'm maintenant? sorry I left without saying goodbye. Did Master Yen Sid tell you? I'm training to become a Keyblade wielder like you. That's right. No more waiting for you to come back from your adventures. I want to get out there and do my part to help. Merlin has used his magic to bring us to a place where time doesn't matter. We can take as long as we need to complete our training. He's an amazing wizard. Oh, and by us, I mean me and Lee. He's really sorry for all the trouble he caused. I told him it's fine, but he won't stop apologizing. I'll admit I was a little scared of him at first, but I've gotten to know him better. All he ever wanted was to help his friend. Honestly, it's hard not to like him. Every now and then, I catch him staring at me. When I ask what's wrong, he says, I'm not sure. I think I'm forgetting something. Don't know what. Sora, I think it may have something to do with you. Your journey is all about helping people. Some that you've never met before. And some like Lee that you have. They're all counting on you. It won't be easy, but I hope you'll remain the happy and cheerful Sora I know. There's no heart your smile can't reach. What's wrong? Huh? Nothing. Sorry. Lee. What? I am. A letter? Yep. To Sora? Technically, yes. But I won't send it. It's more for me. Ask Merlin. He'll deliver it for you. Yeah, but it's okay. I just like talking to Sora, even if it's on paper. Oh, okay. Oh. Here. Ice cream? Really? Yeah, I asked Merlin to pick these up. You know. We did both summon Keyblades. Gotta celebrate. You're sweet, Lee. Nah. What? Nothing. I just... You're trying to remember what you forgot? Well, I, yeah. Yeah. So tomorrow, you and me in the ring. You ready? Of course. Don't hold back, Lee. Promise?
Are you okay? Lee! Yeah. Sorry. You're crying. What's wrong? Something in my eyes. Lee. I'm gonna go. Sorry. Okay, but stop apologizing. Fine. On one condition. What? Call me Axel from now on. Got it? Memorized? Yeah. Okay, Axel. Oh, ça commence bien, dis donc, c'est... Lee, qui se souviendrait donc de Shion? Ah, ça commence bien, l'épisode. So this is the place. Where Aqua fell into the realm of darkness, after she dove in to save Terra. Yeah. She said he was acting strange. Strange how, exactly? She sensed darkness in him. And they ended up getting into a big fight. Right. And in the aftermath, the two of them disappeared. Around the same time, the guards found a stranger with white hair lying unconscious here in the square. A man calling himself Xehanort. Ansem the Wise took the stranger in, but that was a mistake. Xehanort betrayed his master, stole his research, and along with his fellow apprentices, separated his heart from his body. Xehanort's heart took his master's name, Ansem, and traveled to the past to give his younger self instructions. He even briefly had control of you. His empty body stayed in the present, took the name Xemnas, and founded Organization 13. Their goal was to prepare 13 vessels for Xehanort's heart. Until we put an end to the organization. But all the while, young Xehanort had been visiting the future to choose 13 vessels of his own. Hearts with strong enough ties to him to begin a new organization. The real Organization 13. And now they're looking for a fight with us. But what happened to Terra? I thought you said that Aqua saved him. Yep, she did. The problem is, we didn't notice. You remember the end of the Mark of Mastery exam? When Master Xehanort made his grand return? That's the Xehanort I remember. He was already a pretty old man then. But how do you explain Ansem and Xemnas, his heartless, and his nobody? Isn't it strange how young they look? Why aren't they old men? It's because Xehanort was using a different body when the split happened. That face from the portrait I mentioned? It wasn't just some stranger that Ansem the Wise took under his wing. It was the young man whose body Master Xehanort possessed. No way! That was Terra? Master Xehanort was using Terra? Yep. Master Xehanort told us another on our list belonged to him. He was talking about Terra. Turns out, Aqua saved more than just her friend that day. Okay, but Master Xehanort is an old man again now. Where did Terra's body go? It's 'cause Master Xehanort's collecting vessels! He claimed to have two of our seven lights. We got Sora back, but Terra must still be on Xehanort's side. He's with Organization 13? We should warn Sora. Yep, and Merlin too! Yeah.
Ah putain, ça commence vraiment bien cet épisode, hein? Espèce de résumé de toute la trame principale. Ah, franchement, une espèce de résumé de toute la trame principale. Et là, donc, avec l'histoire de Xehanort, c'est super intéressant. Franchement, c'est bien, parce que là, ils ont vraiment tout résumé, quoi. Ils ont vraiment tout résumé. Je peux pas être plus clair que ce qui a été expliqué là. Mais du coup, ouais. C'est vrai que j'avais pas fait le lien avec les corps jeunes et âgés. Bon, nous, on sait, oui, parce que voilà. C'est vrai que j'ai pas fait le rapprochement en fait, mais c'est vrai que les corps sont bien plus jeunes. Mais c'est bien, c'est vachement intéressant. Et le fait que là Axel se soit souvenu de Shion, c'est très très intéressant ça aussi. Ok, bah écoutez, continuons hein. Alors les passerelles de nouveau monde sont ouvertes. Pour visiter un nouveau monde, vous devez le rejoindre à bord de votre vaisseau Gumi. Tu l'es logique, une fois que vous l'aurez rejoint, vous pourrez vous y téléporter quand vous le souhaitez. Vous avez déverrouillé l'option visiter le bistrot. Ok, donc ça c'est normal, n'oubliez pas de suivre les ingrédients pour cuisiner. La boutique Gumi a été déverrouillée. Visitez la boutique Gumi pour acheter des pièces avec lesquelles construire vos propres vaisseaux. Dak. Alors qu'est-ce qu'on a comme monde? Le royaume de Corona et le coffre à jouets. Ah bon bah on va aller là-bas. Hein. Parce que de toute façon, ni aux questions level. Bah là, le coffre à jouets est le niveau moins bas, donc on va aller là-bas. Coffre à jouets. Ah ça fait super cool ça. Voulez-vous décoller? Ouais, on va décoller. Armes spéciales, vous allez obtenir plusieurs armes spéciales AS disposant de diverses capacités. Vous pouvez équiper votre vaisseau cubi d'une seule arme spéciale avant de décoller. Appuyez sur le triangle pour utiliser votre arme spéciale. Dakodak. Configuration, arme spéciale, trio feu. Je peux le mettre? J'ai pu le mettre ou pas du coup le truc spécial. Ça l'a mis. Ok, ça doit être équipé je pense. Sauf que je le vois pas mais ça va être équipé. Non mais oui, on était bon. Ok, mais ouais c'est vachement intéressant. Là Axel, en tout cas, on sait pas s'il se souvient de Shion, mais en tout cas, il a eu un flash d'elle, donc logiquement, c'est qu'il s'en souvient. Pardon, j'ai donné un coup dans le micro. Donc logiquement, c'est qu'il s'en souvient. Mais ouais, c'est intéressant. C'est intéressant, intéressant de ouf. Donc le vaisseau. Enfin, le monde est par là-bas. Donc c'est parti. Ah, ok, c'est ça. Par contre, j'adore le système de vaisseau Gumi. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Alors, constellation. En cours de voyage, vous devez découvrir des constellations. Photographier des constellations. Appuyez sur. Appuyez actif pour ce que vous communiquez pendant que vous êtes sur ceci. Déverrouillez non seulement des missions Gumi, mais vous recevez aussi un point lent. Constellation découverte. Ok. Où ça? Là? Ça, là, la constellation? C'est ça là-bas. Je sais pas. C'était peut-être une constellation là, mais. Non, je sais pas. Bon, on verra. Direction le monde en question. Hop, on va prendre le tuyau par là-bas. Ah mais franchement, je kiffe le système Gumi comme ça, avec le vaisseau à voyager là dans ces tuyaux comme ça nébuleux. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Fais attention à ça, parce que ça reste quand même des mines. Il
Faut que je prenne l'habitude de baisser. de monter pour descendre et de descendre pour monter. C'est un peu bizarre quand même. Ouais, ça faudra peut-être que je règle les commandes parce que c'est vrai que monter pour descendre et descendre pour monter, c'est un peu bizarre. Parfait. Ah, mais du coup la boîte à jouets, ça va être bien ça. Enfin, le coffre à jouets. Enfin. Ok, on a un boss. Ok, c'est marrant quand même ça. Un monde, les mondes, que les mondes soient gardés par les boss et tout ça, c'est original. La musique est vraiment cool à part ça, putain c'est... Ah, ils ont vraiment géré là encore, pour le vaisseau Gumi, déjà dans le 2 c'était excellent, alors dans le 3 c'est encore bien mieux. Hein. Oh non, tu ne toucheras pas avec ton Rocketto Punch. Putain, mais c'est ça, on a carrément un boss en vaisseau Gumi quoi, c'est excellent. Ok, bon, voilà, faut esquiver tous les tirs. Il résiste hein le salaud. Bon après c'est parce que j'ai ma petite poubelle galactique hein, comme dirait Minus Minas. Mon super vaisseau poubelle là. Qui est vraiment pas entraîné du tout. Mais bon c'est pas grave. Le principal c'est que mon machin il puisse voler. Et qu'il arrive à bon terme. Voilà. Ah mais c'est génial ça. Du coup on va avoir le monde de Toy Story, ça c'est cool. Bah écoute, oui, on va atterrir dans ce monde, clairement. Les feuilles des arbres ici sont murmurées, des non-dits, des sentiments refoulés. Sora, c'est à mon tour de me battre pour toi. Hashtag Kairi, Lee, Axel, forêt secrète, entraînement. Ça c'est cool parce que c'est vrai que les deux, ils ont débloqué leur Keyblade à... Bon, Kairi, ça va moins qu'elle a débloqué, mais Axel, ça fait depuis KH 3D qu'il a sa Keyblade. Et c'est intéressant que les deux s'entraînent du coup, parce qu'ils font partie des 7 gardiens de lumière à présent. Donc c'est super intéressant. Et en plus, ils sont dans une salle... Enfin, dans une espèce d'endroit qui fait très sale esprit du sale de l'esprit et du temps, comme dans DBZ, où le temps ne s'écoule même pas. Donc c'est excellent. Franchement, les références, c'est génial. I was watching that! Sorry. But this is no time for television, Rex. Gotta say, that Giga's pretty impressive. Really?
I liked his aura most. Woody, what gives? Shh. Are they bats? All right, guys. Today we teach those mask intruders who's boss. Is everybody in position? Wait, hold on. I don't think I'm emotionally prepared. Would you calm down? Don't worry, I got you covered. It's go time. Putain, j'adore. J'adore. On dirait tellement le film, c'est génial. Et la musique en plus. Oh putain, je retourne dans l'enfance là, de ouf. What in the world? Where are we? Hmm? Oh my gosh! Have we been shrunk? And look at us! You know what the magic is for? We have to protect the world order! Border? I said order! Gorge! Hmm? Who's gonna protect the order from them? Heartless! Okay, we go on three. One, two, wait! What are you doing? Who are those guys? Oh, j'adore. Je surkiffe. Ah, mais sérieux, j'adore. On dirait tellement le film. Putain, c'est génial, quoi. C'est excellent, je surkiffe ça. C'est génial. Non mais encore, quand on a vu les personnages là, Woody et compagnie, on aurait tellement dit le film. J'adore Toy Story, sachez-le, j'adore Toy Story. J'adore Toy Story de ouf, donc je risque de surkiffer ce monde, mais un truc de taré, quoi. La musique de combat est bien cool, bien rythmée. Putain, j'arrive pas à l'atteindre, salaud. Allez. Ah bah voilà, pirouette, enfin. Bah merci, ça c'est une compétence que j'attendais depuis le début du jeu, j'ai envie de dire presque. Are they new? Oh. Wait, you look familiar. Huh? I know this. What? You're Zora. Huh? My name's Sora. Oh. Stay back. For all we know, the intruder sent them. Zora! Slow down there, Rex. We don't know them. But we can trust them. They're the number one selling heroes in the country. Yeah, and his mom must have bought him for him. Ham's right. Did you see how easily they took care of the intruders? I bet they're here to figure out why all our friends have gone missing, and why Buzz's laser started actually lasering, and all the weird stuff that's been going on. I mean, that's what heroes do, right? Let's not jump to conclusions. Gotta be smart, Woody. So you're Andy's new toys? Toys? You sure did a number on those intruders. Those are the Heartless. The bad guys. We've been fighting against those intruders for a while. I knew it! Okay. Huh? In that case, you're all right by me.
My name's Woody. Put her there. Hey. Now, hold on. I'm Sora. You're Sora! Actually, my name's Sora. And I'm Donald. Well, I'm Goofy. And I'm Buzz Lightyear. Call me him. It's a real honor. And I'm Rex. I'm your biggest fan. In fact, I've been playing your game for months now, and I've already gotten you all the way up to level 47. But that Bahamut boss is really tough. Slinky and I can't figure out how to beat him. Oh, I wish Slinky and the others were here. They'd be so happy to meet you. All troops at attention, sir. Strangers from the outside. Welcome. J'adore. J'adore. Boys? So that's why we look the way we do. Huh? Excuse me. You said that you've battled those intruders before. Tell us where and why. Oh, well, we are... No. Well, you must have come from somewhere. Take it easy, Buzz. What matters is that they got those intruders out of our way for at least a little while. Putain, on dirait vraiment le film Pixar. Yeah, Buzz. Woody's right. Noted, but still. Hey, have those intruders, the Heartless, been a problem around here? No, they just showed up a little while ago. In fact, those Heartless materialized right after all of our friends up and vanished. You don't think? Well, gee, it can't just be a coincidence. It wasn't always this lonely. One day we woke up and we were the only toys left here. Nobody's heard from Mom, Molly, or Andy. We keep waiting for Andy to come home. You really care about him. Yeah. He's the best friend that toys like us could ever hope to have. All right. We better start looking. Huh? Have you got any clues we can go on? Any other strange things that happened? Well... There's one thing. One big thing? Huge, sir! What thing? After everyone went MIA, the intruders didn't come alone. They arrived with a guy wearing a hood dressed in black, just like you. As a matter of fact, he's the only other toy we've seen outside of you three. A black hood? But that would mean... The organization! You know who it is? Yeah, they're bad news. Seems like you have a lot of enemies. We may have a hunch what's causing all the weirdness. Would you mind if we handle this? I'm sorry, but we're not gonna leave this to you. Huh? If that guy had something to do with our friends vanishing, then he's our problem too. We've got to work together. Right. So then, where can we find that guy? Sarge, any word from the recon team? The latest reports place him in town, sir, at Galaxy Toys. Then Galaxy Toys is where we're going. Sora, follow me. It's out the window and down the roof. Not so fast, cowboy. Hmm? You seem pretty gung-ho about going. But shouldn't we stay here and wait for Andy? Well, you've got a point, but we've tried waiting. Look, if we go with Sora, we might find a clue. Are you with me, Buzz? Of course. Okay, let's move out. To get to the toy store. Hurry, Sora! J'adore.
Ah, j'ai des frissons, putain. Ah. Ah mais... Eh, je vous jure, je suis limite ému, putain. J'ai une larme, j'ai les larmes. Parce que Toy Story, c'est vraiment un dessin animé qui a marqué mon enfance. Et... Oh putain. Non, je vous jure, je suis vraiment en train de pas pleurer, mais j'ai les larmes aux yeux là. De voir à quel point c'est magnifique. Le jeu est... Enfin, déjà le jeu est ouf, mais les personnages, on dirait tellement ceux du film. Et la musique, quoi. Oh, la musique. Quand c'était les gens en français. Je suis ton ami. Oh là là. Les souvenirs, la nostalgie que ça... Ça donne. Oh putain. Oh là 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 là. Ah non mais là il me prend par les sentiments le jeu. Oh là là. Là le jeu il me prend par les sentiments, ça va pas. Ah carrément on peut augmenter les Keyblades, ça c'est stylé ça. Mission photo, aussi créatif que ça et les mugs, ils ont parfois besoin d'un peu d'inspiration pour trouver de nouvelles idées. Mais j'avais traîné les mondes pour apporter des photos des sujets dont parlent les mugs. Ah d'accord, ok. Ok, excellent. Donc forge, on peut améliorer les Keyblades. Ah, c'est bien ça. Du coup, si je fais ça... Ah, c'est génial! Est-ce qu'elle change de forme et tout après? Non, quand même pas, je pense pas. Ça serait assez impressionnant, mais... En tout cas, ça les renforce. Oh, mais non, j'adore. Je suis désolé, mais... Je surkiffe. Non mais franchement, je suis en train de revoir... Je me revois en train de regarder le dessin animé. Oh, c'est génial. C'est génial. C'est excellent. Non, franchement, j'adore. J'adore. Je ne peux qu'adorer. Et là, on a vraiment une impression de gigantisme avec le monde. Regardez, on est tout petit. Puis on a vraiment l'impression d'être des jouets, quoi. Et surtout, on peut interagir avec tout. C'est excellent. C'est génial. Du coup, je vais pas sortir, hein, mais ok, on peut passer par là. Putain, mais c'est excellent, quoi. Non, j'adore. J'adore. Je vais juste parler à Buzz et Woody. I certainly hope we find some answers at Galaxy Toys. You ready, Sora? Next stop, the toy store. Helpers. From the outside, welcome. Oh, non, j'adore ça, putain, j'adore. Hey, what do you know? I'm talking to the Yozora. Yeah. Yozora, c'est excellent. Et la pub au début, putain, elle est trop stylée. Your game is my absolute favorite. Enfin, je pense, ouais, c'était une publicité qui parlait du jeu vidéo là, vers Umbrex ou je sais pas trop quoi. C'est génial. Non mais ah franchement je kiffe. Bref. Je me remets de mes émotions hein, mais désolé, vous allez trouver ça ridicule hein. Dans les commentaires, vous allez dire "Oh mais il pleure pour des graphismes d'un jeu et tout ça mais Toy Story c'est toute mon enfance, j'ai grandi avec ce film, le 1, le 2. En plus, il y a le 4 qui sort cette année. Aïe 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 aïe. Ah non mais franchement là Square Enix là bravo. Là, bravo, parce que là, vous me prenez avec les sentiments. Avec la musique.
En plus, la musique, je suis ton ami en mode remixé un peu là. Non, franchement, génial, génial. Voilà. On dira que c'est ridicule, sûrement, mais écoutez, je suis authentique. Moi, ça me fait de l'émotion, ça me donne de l'émotion de voir à quel point ils ont tellement bien respecté l'univers et les personnages. Enfin, graphiquement, c'est juste ahurissant, quoi. C'est vraiment le film. J'ai vraiment, vraiment l'impression de voir le film. Ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ah, franchement, là, je suis sur le cul. J'ai qu'une envie, c'est de tourner la suite. Mais là, il est actuellement 11h du soir, donc on va éviter. Et je vais arrêter l'épisode là. Voilà. Désolé, hein. L'exploration du coffre à jouets sera pour le prochain épisode. Sur ce, à bientôt tout le monde. Prenez soin de vous. Et un grand merci pour votre soutien constant pour KH3. Je suis vraiment content que ça vous plaît et de voir que vous partagez l'aventure avec moi. Ça fait vraiment chaud au cœur et ça me fait vraiment plaisir. Allez, merci beaucoup et à la prochaine. Ciao, bye bye.